Ses mains ont-elles tenu l'arme qui a tué Richard Casanova en avril 2008 à Porto Vecchio? Pour la justice, cela ne fait aucun doute. Mais ces accusations, Claude Chaussat les a toujours rejetées. Lui, le repenti, celui qui a levé le voile sur le milieu corse et rattrapé par son passé. La justice va le juger pour meurtre en bande organisée. Toute la Corse sait que l'auteur des tirs sur Richard, c'est Francis Mariani. Et aujourd'hui, on essaye de m'imputer ça à moi, moi qui ne le connaissais pas, qui ne l'avais jamais vu, jamais rencontré. Et du jour au lendemain, je serais venu à Porto Vecchio, tout seul, sans raison, commettre ce crime. Je pense qu'on marche sur la tête. Dès 2009, dans ses confessions à la justice, Claude Chaussat, soldat du gang de la Brise de Mer, garde du corps de Francis Mariani, accuse le parrain du milieu d'avoir tué son ancien compagnon d'armes. Richard Casanova, cet homme dont aucune image n'existe, hormis cette fiche jaunie, exhumée des archives de la police. Le tireur était caché derrière ce bosquet, juché sur une pierre. Sur cette pierre, les enquêteurs ont relevé l'ADN de Claude Chaussat. Le repenti reconnaît l'avoir manipulé, mais sans savoir, dit-il, qu'elle servirait de poste de tir, comme l'affirme la justice. Moi, je me suis expliqué que la veille, nous étions présents à Porto Vecchio, que la veille, je m'étais rendu sur place, que j'avais touché cette pierre et qu'on avait fait un poste d'observation justement pour organiser des surveillances sur Michel Cuijtch, qui était surveillé par Francis à ces moments-là. Je me suis expliqué largement, ces faits sont matérialisés et sont aussi déclarés par plusieurs témoins, le jardinier de la maison qui précise bien que à ce moment-là, la pierre avait déjà bougé. Donc après, je ne vois pas pourquoi cet acharnement et pourquoi on essaye de me faire payer ce crime que je n'ai pas commis. À Porto Vecchio, ce jour-là, le duo pistait Jean-Luc Germagne, beau-frère de Richard Casanova. Francis Mariani l'accusait d'avoir voulu le tuer. C'est ce que le repenti a dit à la justice. Mariani, raconte-t-il, voulait enlever un proche de Germagne pour qu'il lui dise où il se trouvait. Casanova serait arrivé par hasard. La justice n'a jamais pu recueillir la version de Francis Mariani, tué dans l'explosion de cette grange en 2009 à Aléria, alors qu'il était en cavale. Pour avoir collaboré, Claude Chaussat affirme avoir passé un accord avec les juges qui lui auraient promis de faire preuve de clémence dans le dossier Casanova. Des promesses de remise de peine, ne vous inquiétez pas monsieur Chaussat, de toute façon on sait où on en est dans ces dossiers, on sait très bien que vous n'êtes pas un assassin, on sait très bien ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait, vous aurez des remises de peine, vous aurez des renvois au pire pour complicité de meurtre et association de malfaiteurs. Et aujourd'hui, je me retrouve en fait comme au premier jour de ma mise en examen, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a tenu compte de rien de tout ça. Une magistrate est arrivée à la GIRS qui ne m'a jamais rencontré et qui a réglé le dossier en 2 mois, sans me connaître, sans m'auditionner. Donc je vais parler peut-être d'abattage judiciaire. Parmi les juges qui auraient passé un accord verbal avec le repenti, il y aurait Claude Choquet, ancien magistrat à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, mais le magistrat dément. Je n'ai pas pu donner cette assurance, c'est exclu. Ces engagements seraient irréalisables. Je n'ai par ailleurs jamais été en première ligne dans ce dossier. Repenti sans en avoir le statut officiel accordé par la justice, Claude Chaussat ne peut donc se prévaloir d'aucun accord écrit. Les promesses, si elles ont réellement été faites, ne sont pas sorties du huis clos du bureau des juges. Les deux magistrats concernés par les enquêtes criminelles qui résultaient des aveux de Claude Chaussat, des confessions de ce dernier, étaient partis et avaient abandonné, pour des raisons bien évidemment professionnelles de mutation, de promotion, leur poste à la GIRS de Marseille. En novembre prochain, celui qui a servi le puissant gang de la Brise de Mer sera jugé ici, à Aix-en-Provence, dans ce palais de justice qui a vu défiler les têtes d'affiche du grand banditisme. Claude Chaussat voudrait que l'affaire soit jugée ailleurs pour que sa sécurité soit garantie. Son avocat a saisi la justice. Sa demande est restée sans réponse.